One, two, three, My baby don't mess around because she loves me so, and this I know for sure. Bonsoir. Bonsoir. C'est les 10 ans de psychologie. Happy Joyeux birthday. Anniversaire. Ouais. Et non, à tout le monde, parce qu'on est nombreux à avoir fait psychologie.com. Effectivement. Donc vraiment à tout le monde. Donc vous êtes la rédactrice en chef du site psychologie.com. J'ai ce plaisir. Un site avec des blogueurs très actifs, une communauté très active, beaucoup de forums, du chat aussi. Quelle est la recette ? La recette, je crois que c'est déjà de leur avoir donné un espace immense dans lequel ils peuvent s'exprimer. La communauté, que ce soit les gens sur les forums, sur les blogs, c'est vraiment le cœur. C'est le cœur qui palpite de psychologie.com. Et ça, nous, on peut le voir tous les jours. Il faut savoir que sur le site, par exemple, on a à peu près 80 forums de discussion. On a pratiquement 1200 messages chaque jour qui sont postés. Mais ils ne font pas uniquement que discuter entre eux. Ils commentent aussi les articles. Ils commentent tout ce qu'on met sur le site. Alors moi, j'aime bien, parce que des fois, il y a des coups de gueule. Il y a aussi des coups de cœur. Donc ça, ça nous fait plaisir. Mais c'est vrai que la vraie vie de la communauté, elle est dans les forums et sur les blogs. Et moi, ce qui m'amuse le plus dans les forums, c'est par exemple, vous avez des gens qui racontent des choses et qui vous expliquent après que ça, en 10 ans de psychanalyse, ils ne l'ont jamais dit à leur psy encore. Mais ils viennent le dire chez nous. Ah, c'est un petit peu une victoire pour le site finalement, des gens qui viennent se confier plus facilement. C'en est une, parce que c'est une communauté qui est en même temps très respectueuse les uns des autres, très solidaire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui s'aident. Et ce qui est intéressant sur cette communauté des psychonautes, comme on les appelle, c'est que c'est le partage de leur expérience de vie. C'est-à-dire qu'eux viennent parler de leurs problèmes, mais aident et conseillent les autres et reçoivent des conseils et s'aperçoivent que finalement, ce qu'on traverse tous, toutes nos problématiques de vie, on en sort grandi, on en sort enrichi. Et donc, c'est une communauté qui apporte aussi beaucoup d'optimisme. Alors, Laurence, pourquoi est-ce que sur psychologie.com, il n'y a pas de recettes pour faire des régimes ou les horoscopes, comme on peut trouver sur d'autres sites féminins? Pourquoi on ne parle pas des régimes sur psycho.com? Oui. Mais on parle beaucoup des régimes, bien sûr, d'accord. Mais plutôt en mal. Plutôt en mal. Non, vous pouvez venir voir, on parle des régimes. On explique ce que sont les régimes, mais c'est vrai, et je répondrai de la même manière d'ailleurs par rapport à l'horoscope. Nous, on a une chose à laquelle on croit très fort à psychologie, c'est qu'on est chacun acteur de sa vie. On a en nous des clés du changement. On a en nous... On est une machine extraordinaire. L'être humain est une machine fabuleuse, extraordinairement sophistiquée, extraordinairement précieuse. Sauf que voilà, on ne sait pas forcément utiliser ses trésors. Donc c'est ce qu'on essaye de faire sur psychologie. Et on pense que changer sa vie, changer sa relation à son corps, changer son image de soi, ça passe pas par un diktat de la minceur, ça passe pas par un horoscope qu'on va lire chaque matin. Je vous rassure, hein, nous aussi on le lit, hein, on adore ça évidemment. Mais ça passe par toutes ces clés qu'on a, nous. Et on pense qu'être acteur de sa vie, c'est nettement plus important que subir ce que les autres veulent vous faire faire. On ne s'attaque pas qu'aux symptômes, on trouve des solutions, des vraies solutions. Exactement, dans le plaisir. Eh bien, psychologie 10 ans, je ne le dirai jamais assez. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Psycho pour les 10 prochaines années? Encore 10 ans, un bel anniversaire dans 20 ans et puis encore un autre, voilà. Très bien, merci beaucoup Laurence. Merci à vous. 1, 2, 3. Quelle est selon vous la force du site? Le point fort, la qualité qui fait que vous avez plus de 1 million de visiteurs uniques quand même. Alors, ce qui est quand même extraordinaire. Psychologie, c'est un lieu un peu unique. J'allais dire un ovni, mais je crois qu'on peut le dire comme ça. C'est un peu un ovni parce que c'est un temps différent sur le web. Sur le web, tout va très vite. On est dans des flux d'infos continus. On est dans beaucoup de bruit. Et psychologie, c'est tout sauf ce bruit. Psychologie, c'est un espace d'apaisement, c'est un espace où les gens prennent le temps de penser à eux, et c'est aussi un espace où les gens s'écoutent. C'est un espace, on se rend compte dans les forums, dans lesquels les gens écrivent de très longs messages. C'est vraiment un temps à part sur le web. Psychologie fête ses 10 ans. Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter pour son anniversaire? On peut lui souhaiter
encore plus de visiteurs uniques. C'est un beau succès du web. Je crois qu'il mérite encore mieux, donc il faut qu'il soit plus connu pour rassembler encore une plus grande communauté de lecteurs. Merci Valérie. Merci. 1, 2, 3. Qu'est-ce qui fait la force de Psychologie ? Ce qui fait la force de Psychologie, je pense que c'est la sincérité. Enfin, on peut dire plein de choses, marketing, commercial, sur notre démarche, notre stratégie. Ce qui fait la force, je crois, c'est la sincérité du journal, de l'engagement, des sujets, de l'équipe. Voilà. Cette force qui transpire. Je crois que le site a plus de 1 million de visiteurs. Oui, 1 million et demi, ouais. C'est quand même pas rien. Et donc, ce qui fait la force, c'est ça. Et puis, peut-être une autre chose aussi, c'est ne pas écouter les règles. Par exemple, psychologie.com s'est lancé le jour où Le Monde, il y a 10 ans, titré « La bulle Internet a éclaté ». Donc le jour où les bourses, le Nasdaq s'effondrait, on lançait le site. Et voilà, toute l'histoire de Psychologie, c'est un peu ça. Un magazine ambitieux, quand on dit qu'il faut faire des journaux faciles à lire, cher, quand on dit qu'il faut que ce soit pas cher, qui ose des sujets un peu difficiles, quand on dit qu'il faut absolument distraire, voilà. C'est le courage, une petite dose de folie. Alors, Psychologie, on ne le dira jamais, fête ses 10 ans. Ah oui, déjà. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Bah oui, je sais pas si on l'a fait. Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter ? Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter ? Je sais pas, longue vie. Ce qu'on peut lui souhaiter, c'est de continuer à fédérer une communauté aussi importante, aussi liée, aussi soudée, aussi respectueuse. 1, 2, 3. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre rôle au sein de Psychologie ? Alors, je m'occupe des communautés. Je suis community manager pour psychologie.com. Et il va y avoir des nouveautés ? Alors, sur le site ? Effectivement, on est en train de préparer une nouvelle version de l'espace communautaire qui inclura un club qui va permettre à l'ensemble des fans de psychologie, des lecteurs de psychologie, de mieux échanger autour des thèmes qui les intéressent et qui leur tient le plus à cœur. La force de la communauté psychologie, c'est avant tout beaucoup d'entraide, une activité, une créativité, une originalité en termes aussi bien sur les blogs que sur les forums qui rend la communauté psychologie intéressante, vivante et vraiment très très attachante. On a des blogueurs francophones des quatre coins du monde, notamment je pense à Massir qui est le blogueur tunisien. D'accord, très bien. Il vous a raconté un petit peu ce qui se passait Alors on a eu effectivement la version, la rédaction et Laurence ont bien suivi pendant les événements qui pouvaient passer par chez nous mais qui étaient censurés par chez eux. D'accord, très bien. Donc c'est vraiment au cœur de la vie des gens et de la communauté psycho. Jean-Yves, merci beaucoup. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour les 10 ans de psychologie ? Eh bien, 20 ans, 30 ans, 40 ans de plus. 1, 2, 3. Qu'on va offrir votre livre, 3 kiffs par jour, à cette soirée comme cadeau pour les 10 ans de psychologie. Mais ça me touche particulièrement parce que je crois que 3 kiffs par jour, l'écriture de 3 kiffs par jour a commencé chez psychologie.com, où j'ai passé non seulement beaucoup de temps, mais auquel j'ai donné beaucoup de mon énergie, qui m'a appris beaucoup et qui m'a convaincue que lorsqu'on est vraiment aligné dans ce qu'on sent, dans ce qu'on sait, dans ce qu'on comprend et dans ce qu'on apprend, ça vaut le coup de le partager. Vous diriez que c'est la force, justement, de psychologie ? Psychologie a le mérite de permettre aux gens de se présenter comme ils sont, de leur présenter des sujets qui peut-être leur permettent de savoir un peu mieux comment ils se sentent, comment ils sont, comment ils vivent. Donc oui, psychologie.com, pour moi en tout cas, a été un des grands kiffs de ma vie précédente. Ça, c'est un compliment venant de la part de Florence, effectivement. Florence, psychologie, 10 ans, qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter pour la suite ? Alors, les 100 prochaines années, à peu près aussi excitantes, à peu près aussi inspirées. Le siècle, carrément. Le siècle, voilà. Direct. Et voilà, c'est pour eux. Le siècle, c'est pour eux. C'est pour psychologie, cherchez pas ailleurs. Mais surtout un siècle de proximité et un siècle d'échange et un siècle d'amitié. C'est en tout cas un très beau message. Merci beaucoup, Florence. Merci, et Georges. Bonne fin de soirée. Bonne soirée, Georges. Merci. Ça fait longtemps que vous êtes en psychanalyse avec psychologie.com. Tout à fait, depuis 10 ans. Hein. Depuis 10 ans. Ma toute jeune adolescence. Donc, psychologie a sauvé ma vie.
Incroyable. Donc, incroyable, unbelievable. Unbelievable. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui fait la force de ce site? Pourquoi est-ce qu'on y revient comme ça à chaque fois? Leurs conseils, leurs petites astuces pour mieux vivre, des petits coups de main pour le quotidien, donc voilà, des petites traits humoristiques aussi. Vous avez trouvé des vraies réponses à Psychologie? Ah bah oui, je vais mieux. Et vous êtes plutôt freudienne ou plutôt lacanienne d'ailleurs dans votre Tout approche à fait. De la psychologie? Donc Psychologie fête ses 10 ans, qu'est-ce que vous souhaitez à Psychologie? Je souhaite que du bonheur, qu'ils soient là de nouveau dans 10 ans, qu'ils fêtent leurs 20 ans et que je sois aussi là dans 10 ans. Psychologie, c'est une marque, avant tout une marque très forte, avec des valeurs très fortes aussi, très affirmées et qui tiennent le coup depuis 10 ans, oui. Sur le site comme sur le magazine. Et donc l'avance de Psychologie, je crois que c'est un peu ce qu'on voit ce soir, c'est aussi un peu l'affection qu'on porte au magazine, au site. Ça fait longtemps que tu es en psychanalyse avec Psychologie? Oui, alors en fait oui, c'est pour ça que je parle de marque, de valeur, d'affection. Je parle d'introspection, je parle de retour sur soi, parce qu'en fait, voilà, ça fait 10 ans que je suis en thérapie. Voilà. Et donc, Freudienne ou lacanienne? Lacanienne. Bien sûr, bien sûr. Donc, Psychologie 10 ans, on ne le dira jamais assez. Qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter? De continuer à faire la fête comme les 10 dernières années. Oui, c'est vrai qu'ils ont une propension à faire la fête. Oui, grosse propension à faire la fête. Donc qu'ils fassent la fête comme dans les 10 prochaines années, comme ils l'ont fait dans les 10 dernières années, à laquelle j'ai participé avec joie. Come on, y'all are crazy, man.